Let's go Zébardi! Oula! Excusez-moi. Bonjour! Le caca de Fildrong est de plus en plus mou. Ah! C'est toujours, voilà, hein. Bienvenue! Bienvenue sur mes lives, évidemment. Hein. J'espère que vous passez un bon moment. J'ai la meilleure communauté de l'air. Super! Ça va. On va dire que c'est 7 sur 10 sur l'échelle de J'aime la sodomie. Tout va bien. Bref, salut à tous, c'est Fildrong. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la suite du Let's Play sur Pokémon Saphir Alpha Full Random, évidemment. J'espère que vous êtes chaud. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça va vraiment bien. Je me suis un peu remis de ma maladie. Vous le constaterez sûrement. Bah d'ailleurs, ça arrive que je tousse encore beaucoup. Mais surtout, je suis en HD, regardez la qualité de cette HD que je vous propose aujourd'hui. Regardez ça y est, c'est fini le Fildrong avec la webcam de merde. Regardez, c'est trop beau, ça rend trop bien, voilà. J'ai mis de la HD sur mes trucs, on va espérer que ça marche bien, évidemment, hein, sur du coup, bah... Sur tout un live. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Il y a eu une grosse upgrade à ce niveau-là. Comme j'avais fait une upgrade hein, au niveau du micro il y a quelques mois. J'espère que ça vous plaît. Attendez, je vais tousser. Donc je vais... J'ai encore un peu la crève, hein, vous m'excuserez. Mais contrairement à la semaine dernière, je suis plus malade techniquement. Je tousse encore un peu. Mais disons que voilà, j'ai plus de fièvre, j'ai plus mal à la tête, j'ai plus de problèmes, genre... Je me sens très bien, c'est juste que je tousse. Donc, nous allons continuer, du coup, aujourd'hui, Pokémon Saphir Alpha en full random. Alors, dans le dernier épisode, nous avons capturé un nouveau Pokémon, deux nouveaux Pokémon qui ont rejoint l'équipe. Le premier c'est Bob McGowan, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, c'est du coup dans le lore, hein, c'est le... comment il s'appelle? C'est le garde du corps, hein. Merci beaucoup Roger Miel. C'est le garde du corps du coup de Michel Trou, hein, qui est le maire, Bob McGowan. Hein. Je vous résume l'histoire assez rapidement, hein, parce que c'est important que vous le sachiez quand même. Donc en gros, Bob McGowan c'est un Irlandais qui était un terroriste, qui s'est fait traquer par la police et tout. Il a débarqué en France, il était un pilier de bar, il passait sa vie à se bourrer dans le bar et tout. Mais il a rencontré Michel Trou, le maire de Saint-Cernin-sur-Rance, qui l'a sorti en fait, qui l'a pris sous son aile et qui l'a sorti de la difficulté dans laquelle il était. Et du coup maintenant, il lui a juré fidélité jusqu'à la fin de ses jours. Et ça, c'est vraiment... incroyable, parce qu'il y a une relation vraiment limite père-fils entre Bob McGowan, qui parle avec un accent, hein, ça se dit Bob McGowan, tu vois, comme ça, et Michel Trou, le maire de Saint-Cernin-sur-Rance. Et enfin, nous avons le pouvoir de l'amitié, pouvoir copain, le fameux Donphant Shiny, force pure avec tombe roche et piste au point aussi, hein, une priorité. Il y a moyen que ce soit très bien. Alors, il a appris tir debout, mais bon, le problème, c'est que tir debout, c'est quand même. Bon, bah, c'est spécial, donc il tape pas très fort, mais. Dites-vous juste que il a déjà au niveau 30 autant d'attaques que beaucoup de Pokémon stratégiques au niveau 50. Parce que là, il a déjà 180 en attaque pratiquement. Donc, il est vraiment extrêmement vénère. Et maintenant, je vous propose de continuer l'aventure avec du coup la route 110. C'est ça qu'on doit faire. Et on va aussi rencontrer notre rival normalement. Ah non, attends, peut-être pas. Ah si, 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 c'est ça. Le mont Chimney est droit devant, de l'autre côté de la route 110. Ne faiblissez pas, ça fait une trotte. On pourrait s'arrêter à mi-chemin pour souffler. À l'Avandia, je vote pour. Allez, parti. Merci beaucoup pour tout vos soutiens, les mecs. C'est trop gentil. Et c'est parti, on y va. Je voudrais aller partout pour montrer mes Pokémon. Ah ouais, ouais, non, mais les mecs, il m'est arrivé un truc de l'enfer. Ok, c'est parti. Bob McGowan, let's go. Bob McGowan versus Brésillon. On a Tombe Roche, on va le one-shot, c'est fini. Ah oui, il faut que je remette les animations, excusez-moi, j'avais désactivé les animations. Allez, Bob McGowan, monte au niveau 31. Ok, Mew Brismoule. Ok, je pense qu'il est temps de dévoiler pouvoir copain.
Yes, merci beaucoup. Sur l'insecte, ok, ça va. On va remettre le truc, vous en faites pas. Allez, tombe roche. Maintenant, on voit les cheveux blancs en plus de la calva. Oh putain, il a fait tombe roche. Mais c'est pas grave, on a piste au point pour le tuer. Regardez, paf. Voilà. Ok, ok. Putain, l'XP. Pouvoir copain qui... Mais qui va survivre. Ok. L'épidonie, normalement, on le gère. Voilà. Et on va remettre les animations. 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 Qu'est-ce que vous en pensez, là, de Fildrong HD? Est-ce que ça vous... Est-ce que ça vous... En plus, le jeu est en... Là, tout est en HD, hein. C'est Fildrong HD, le jeu en HD et tout, c'est vraiment stylé, hein. Voilà. Allez, on a les animations. Donc, on va essayer de ne pas perdre mon donphan, parce que il se passe à chaque fois la même chose, hein. Vous savez, quand j'ai un Pokémon un peu fort, il meurt instantanément. Mais on va quand même essayer de l'entraîner un peu. Voilà. Pourriez-vous mettre les sprites? J'entends pas quand tu parles, c'est abusé. Putain, mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes. J'entends pas en fait. Parfois, il y a des messages qui passent pas. Alors, comme j'ai pas de vélo, je prends la roue du bas. Là, il va y avoir un Pokémon de zone, non? Oh, la maison des pièges! Attends, on peut voir normalement. Ok, j'ai rien vu. Oh, c'est trop bien la maison. Comment as-tu su que je... Tu te cachais sous cette table. Ah, je suis l'homme le plus mystérieux. On m'appelle le maître des pièges. Tu viens relever le défi, oui. On va avoir des trucs bien ou pas? Corps de sortie. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur, les mecs. Merci pour votre soutien. On fait la maison des pièges ou quoi? Mais en fait, il y a plein de dresseurs, donc on va vraiment se faire casser la gueule, hein. Mais bon, d'accord. C'est vrai qu'il y a plein de dresseurs. J'ai un peu peur, hein, mais bon, on y va. Mais j'ai même pas coupe. Attendez, mais je peux même pas... J'ai un Pokémon qui peut apprendre coupe ou pas? Non, mais je vais pas apprendre... Je vais pas apprendre coupe à Bob McGowan, c'est terrible. J'espère que pouvoir copain va être la nouvelle légende. Bisous. Ah, on l'espère, hein. Non, mais on va pas... Oh non, mais j'ai... Oh, attends, coupe et 10 plans dans le jeu. Ah, oh, vas-y. On enlève quoi? Tombe roche? Non, on l'enlève ombre portée. Bon, allez, vas-y. Ah, oh, c'est triste un peu quand même, hein. Allez, pour l'XP. Oh, Bob McGowan, let's go. Grâce à la capacité coupe. Et oui, en avant. Pied Jen veut se battre. On voit Deden. Ok, pouvoir copain. Le pouvoir de l'amitié de pouvoir copain. Let's go. Pour l'instant, on est... ok. J'avais oublié qu'on était en... Ok. Et heureusement que c'était un DDD nul, hein. Non, alors, on... Aborde de Michel. Ok, on s'en va. C'était peut-être pas... Bob McGowan, ça. Oh, il avait giga sans su. Je serais mort de décès. C'est... C'est bon. Ah! Épine de fer! De Bob McGowan! Ma nouvelle caméra, c'est mon appareil photo en fait. Attends. Il me tue pas, on est d'accord. Je fais coupe, il me tue pas. Ok. C'est bon. Ok, épine de fer, on n'est pas paralysé. Parfait, coupe, voilà! Ok, d'accord, c'est bon. La situation est sous contrôle, j'ai eu un peu peur, mais rassurez-vous. Il va prendre Mawashigiri. C'est quoi ça déjà? C'est de la merde. C'est de la merde. Il veut vraiment apprendre les pires capacités combat. Ouais. Ok, pouvoir copain est niveau 32. Il va prendre Pico. Oh, Pico, ça me plaît de ouf. Vas-y, on va mettre à la place de son attaque sol. Qui utilise son attaque nulle. Pico, c'est fort. Ok, alors, attends. Sepia top, ok. On est d'accord, Sepia top ne menace pas pouvoir copain.
Il peut pas menacer pouvoir copain là. Ok, c'est bon, il fait 0. Allez. Ok, et nous on a. Ok, il a picot défense, mais on fait tombe roche. Voilà. Ok. Le pouvoir de l'amitié. Ne l'oubliez pas, c'est le seul Pokémon de l'équipe, vous n'avez pas le droit de vouloir sa mort. Parce que s'il meurt, je vais y arriver. S'il meurt, c'est l'amitié entre le chat et Fildrong qui sera finie. Et clairement. Titiflosion sauvage apparaît. On connaît toutes ces techniques. Hein. On l'a entraîné ici. Petit shiny. Titiflosion shiny. Ok. Allons-y. Pouvoir copain. Les objets pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a les objets pouvoir? Ah mais je peux pas tout checker d'un coup là, on s'en fout des objets pouvoir, non? Qu'est-ce que ça va me faire les objets pouvoir à votre avis? Ça va me donner des EV. Mais on s'en fiche à ce stade-là du jeu, non? Ajoute un gain de 80 EV en défense au gain de base. Ah oui d'accord, c'est Oh sa mère, putain, c'est C'est quoi ce truc? Mais c'est trop fort! Tu te fais ton Pokémon en 2 secondes! Vas-y, on va... Mais j'avais déjà un Bordomusque en plus. Ah non, mais Bordomusque, c'est autre chose. Ah ouais, c'est correct, hein. Vas-y, on va mettre à Bob McGowan. Ok, d'accord. C'est vraiment très fort. J'ai rien dit. Allez, c'est Tipa. Je veux finir la maison des secrets. Et après, promis... On va aller affronter la rivale. Faudra qu'on fasse toute la maison des secrets à l'occasion. J'ai fini une seule fois, je crois. Lava cookie. Putain, c'est vrai que c'est quand même assez grand. Hein. Putain, le jeu est trop beau, la caméra HD est trop belle, le son il est trop bien. Non mais franchement là, on dirait que je suis un vrai streamer authentique quoi, c'est incroyable. Allez, combattante Elena, envoie Tilton. Ok, facile. Allez, pouvoir copain, on one shot avec tombe roche large. Voilà, hop là, tombe roche. Nice. Le pouvoir de l'amitié. Ensuite. On va... récupérer le lava cookie. Et il faut que je récupère le mot de passe. Comme ça. Bon, c'est quand même bien pratique d'avoir coupe. Hein. Voilà, j'ai trouvé le rouleau. Que dit le rouleau? Ok, j'ai appris le code secret, donc on s'en fout. Et il reste un dresseur. Je me suis retrouvé dans cette étrange maison au hasard. Allez, gamin Fritz. Ok, Germignon, ok. Ça fait un peu peur à pouvoir copain, mais sachez que pouvoir copain a tombe roche. Ok. On apprend juste qu'il apprenne genre piétisol et il sera abusé. Ok, Flabébé c'est pareil, regardez, piste au point. Ah bah voilà, c'était même pas un Charmina, c'était même pas un Flabébé. Voilà. Putain. Abusé. Je rappelle que ce truc a une dent slam permanente. Hein. Il a actuellement plus d'attaque qu'un Deoxys attaque. Voilà. C'est bon, j'ai fini le premier étage de la maison des pièges. Une ceinture pro. Très cool, ceinture pro. Très bon objet. Est-ce qu'il me donne un objet quand même ou pas? C'est presque aussi balèze que quelqu'un qui serait 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 presque aussi balèze que moi. Provoque. Merci beaucoup, le maître des pièges, pour provoque. Super. Allez, bon. Ça, c'était ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On a Pokémon de zone, ici, à la route 103. On va aller choper le Pokémon de zone. Alors, est-ce que ça va être un bon Pokémon, à votre avis? Moi, je pense que ça va être un légendaire. De ouf.
Pas du tout, parce que vous savez quoi, il n'y avait pas de, il y avait pas d'herbe ici. Attends, mais je peux pas passer. Oh merde. Du coup là, je suis obligé de. Ah oui, d'accord. Je suis obligé d'aller battre elle. C'est notre auteur apaisante qui t'a attiré jusqu'ici. Mais écoute, aromathérapeute Carla, c'est vrai que ton parfum est agréable. Pokémon moyen, ce serait Never Use. C'est pas une zone. Ok, d'accord, c'est pas une zone. Comment ça, c'est pas une zone? Ok. J'ai eu un peu peur parce que vu que j'ai une force de ouf, la tricherie fait mal. J'ai pas compris, ça fait, c'est pas mal. Mais pourquoi c'est pas une zone? On est d'accord que c'est ultra dangereux. Ok, ça va. Mais pourquoi c'est pas une zone? Ah, c'est la même zone où t'as affronté Flora la première fois. Oh, triste. Pas grave. Et là, c'est une zone ou pas? Non, là, c'est pas une zone, par contre. C'est pas une zone. Non, ici, c'est pas une zone, c'est sûr. Ok. D'accord, la route est raccordée. Allez, let's go. J'ai trouvé des Pokémon super classe dans les hautes herbes par ici. Let's go. Le gamin Flavien. Ok, d'accord. Ok, ok. Pas de pression. Tu gardes Flora pour 21h30. Techniquement, il va être à peu près 21h30 quand je vais affronter Flora. Hein, donc. Attends, par contre, on a un Michel Trou niveau 40. On l'utilise pas, mais notez-le. Hein. Non, j'arrête Pokémon avant la sortie. 2 jours avant la sortie de Pokémon Violet, j'arrête Pokémon. Ok, ça c'est danger. Mais on le fait, on n'a pas peur. Non, il résiste à tout. Attends, on attend Broche. On a piste au point. Vas-y, Viridian. Ok, je tanque tout parce que je suis le pouvoir de l'amitié est intuable. Et merci beaucoup pour vos dons. Merci du fond du cœur. Je peux pas répondre tout le temps, mais sachez que c'est très gentil. Ok, le gamin Flavien est mort. Ouais, c'est un peu dangereux, mais ça va, il est type sol, donc il a pas tant de faiblesse que ça, tu vois. Merde, c'était maintenant? Fifou, ça fait longtemps, comment vas-tu? Figure-toi que je partais à la chasse aux Pokémon. Comme le répète tout le temps mon père, la nature était beaucoup plus riche et détendue dans le passé. Détendue? Étendue. Il y avait beaucoup plus de Pokémon. C'est pour ça que tous les deux, on part souvent sur le terrain pour essayer d'en savoir plus sur ces Pokémon disparus. En venant ici, j'ai rencontré un tas de Pokémon et j'ai beaucoup appris sur leur compte. Mes Pokémon sont devenus beaucoup plus forts! Wouah, Flora 6! Pokémon! Ok, je vais poser les picots. Non, les mecs, on pose les picots, let's go. Non, vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle. Elle a 6 Pokémon, mais niveau 27! Ok, on fait picots. On va poser les picots, les mecs. À l'ancienne, on pose des picots. Il a quoi? Ok, il a psycho. Ok, Terraclope fait 0. Ok, il m'a baissé ma... Ah, le bâtard. Ok, il a psycho. J'ai pas de résistance à psycho. On va continuer à mettre des picots, en vrai, je pense que ça passe. Ah non, ça passe pas du tout, ça fait trop mal. Ok, mais j'ai que des faiblesses à psycho. Ok. Attends, mais c'est quoi mon game plan là? Ta génitrice, il a quoi déjà comme attaque? Il a... Putain, mais j'ai rien pour passer... Je dois mettre Michel Trou, hein. Je dois directement invoquer le maire. Je dois au moins switcher et revenir sur Pouvoir Copain. Allez, Michel Trou le maire. Ok. On va faire... Buldo. Ouais, on n'a pas le choix, hein. Il faut ramener le maire. Oh. Ah. Le fameux rapace, Terraclope. Ouais, on n'est pas là pour rigoler, let's go.
alors attends, rapace. Non mais, je peux pas m'enfuir. Le maire, oui, vous vous rappelez, il faut mettre... Oh non. Le maire est convoqué. Michel Trou, bonjour. Pouvez-vous nous parler de la situation politique de la France actuelle? Eh bien écoutez, buldo. Oh là là, et si tous les maires étaient comme ça? Ok, racaillou. Racaillou, on est d'accord. Ça fait z... On peut mettre pouvoir copain. Let's go. Oh là là, l'anticipation! Épiste au point de pouvoir copain! Oh là 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 là, let's go! Ça y est, pouvoir copain est dans la place. Ok, non mais oui. Non mais oui, ça fait mal ou pas? Ça fait un peu mal, non? Mais non mais oui, ça a aucune offense. Let's go, tombe roche. Ok, ok, ok. Il a fait acupression, attention. La défense spéciale augmente, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Piste au point. Petit passier. Pouvoir copain qui est en train de gérer alors qu'il a même pas de PV. Oh, oh l'XP, oh là, bah oui, c'est vrai, c'est un nom, mais oui. Ah. Pyrex, terre finale. Ok, on reste... Oh, 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 oh. Attends, quoi? Ta génitrice, je t'invoque. Attends, mais il y a danger de mort, là. Non, ça va, il a fait bourdon. Attends, mais il a bourdon et terre finale, ce Pokémon. Oh, il m'a baissé ma défense spéciale. Bâtard. Ok, attends, il faut qu'on fasse... Bombe acide. Ah ! Ok. Oh, merci beaucoup, le gars au chapeau et Sweet John. Merci beaucoup. Mais attends, parce que c'est terrible ce qui est en train de se passer. Ok, attends. Bob McGowan, vite! Sauve-nous! Oh là là, le W. Attends, il va prendre tellement de recul. Oh, sa mère, la... Oh non, il a une baie. Ok, on est plus rapide que lui, non? Ton broche, ça tue. Non, 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 Bob McGowan! Bob McGowan, alerte! Non! Attendez. Putain, mais d'où? Mais c'est ingérable ce truc. Je peux pas le toucher. Je... Mais putain, j'ai... T'as baissé ta vitesse. Comment ça j'ai baissé ma vitesse? Il est 21h27. Oh non, j'ai baissé ma vitesse avec le bandeau pouvoir. Parce que vous m'avez dit... Parce que vous m'avez dit de mettre le bandeau pouvoir pour entraîner mon Pokémon. Si vous saviez même... C'est votre faute. Mais c'est votre faute! C'est 100% votre faute! J'avais pas du tout... J'avais même pas vu que j'avais eu cet objet! Non, oh là là, il a survécu 30 minutes. Oh putain, il a terre finale en plus, je suis obligé de le taper avec tir debout. Oh là là, le maire est unleash. Vite, mettez les émoticônes de maire. Le maire, Bob McGowan est unleash, c'est parti. Ah oh, mais il a raté, putain mais j'ai raté mon attaque. Attends, éclat de glace. Éclat de glace. Ouais, c'est RP, ouais, super. Oh putain, quel enfer. S'il avait pas eu terre finale, j'aurais pu le tuer avec genre Shuriken. Ta génitrice veut apprendre feuille magique. Non, mais ta génitrice, là, tu casses un peu les couilles. Bon, tu me diras, c'est mieux que Méga Sensu. D'accord que c'est spécial, oui. C'est le pire des gardes du corps. Et soigne-toi quand tu veux. Merci beaucoup. Oh, tu me casses pas les couilles, toi, c'est bien.
Non, en vrai, attends, on a éclat glace. On est d'accord qu'on tue toute l'année avec éclat glace. Let's go. Allez, Michel Trou, éclat glace tabé. Let's go. Ok, Michel Trou, par contre, c'est vraiment l'invocation ultime, quoi. C'est pareil, regardez, Dracarmin, là, on est en mode, oh non, c'est trop fort et tout. Mais, on a éclat glace stabé, super efficace. Ok, il a tanké, il a tanké. Non, ça va, il a fait rouple. Ok, ok, on a eu un mort, mais c'est votre faute. Vous êtes responsable. Si vous m'aviez pas dit, oh là là, mets le bandeau pouvoir et tout. Putain, quoi. J'aurais réussi, j'aurais gagné. Oh là là, Flora, tu m'as tué le... Flora a tué le garde du corps. Bob McGowan... Attendez, il faut qu'on joue la scène de Bob McGowan. Genre, attendez. Maintenant que j'ai de la qualité, genre... Ah ! Attendez, non, il faut de la musique un peu... de la musique un peu sad. Epic Music Sad. Ah ouais, ouais, j'ai un truc incroyable. Non, attends. Oh, je sais ce que je vais mettre. Pourquoi t'as pas laissé ta génitrice sur Pyrax? Rip Bob. Bah parce que j'avais peur qu'il meure. J'ai un truc. J'ai une idée. Vous êtes prêts? Vous allez pleurer vos races, c'est sûr. Vous êtes prêts? Michel, je... Bob, tu m'entends, Bob? Michel, j'avais juré de te protéger. Bob, arrête de parler. Les secours vont venir. Michel, je voulais te dire un truc. Tu as sauvé ma vie. Bob, économise ton souffle. Tu veux boire un coup? Tu veux une dernière clope? Michel, j'espère que tu t'occuperas bien de la ville de Saint-Saint-Nassurance. Les 500 habitants de Saint-Saint-Nassurance comptent sur toi. Bob, je n'abandonnerai jamais les habitants. Nous te ferons des funérailles. Facile. Et il y aura tout le monde. Est mort au front. Il n'y a pas plus grand honneur pour un garde. Même le boulanger, il sera là. Sacré Bob. Même le boulanger, il sera là. Je m'accroche. Arrête de pleurer, Michel. Depuis le début, c'était ma mission de me sacrifier pour toi. Tu sais bien que ce Pyrax était beaucoup trop difficile à tuer avec Terre Finale. Tu as raison, Bob, mais j'aurais dû faire plus pour ma ville et pour toi. Adieu. Adieu, mon ami. Adieu, Michel. Ah. T'as un jeu d'acteur à la zone, mais j'avoue, j'ai lâché une larme. Nos Pokémon se sont bien dépensés. Connasse, va, putain, pire meuf, quoi. Pourquoi Stadio, cet accent? Parce qu'il était... Il était irlandais. Ça, c'est pour toi. Merci pour le cherche-objet. Ce cherche-objet est un outil incroyable. Il réagit lorsque tu t'approches d'un objet invisible. Ah. Trop bien. Merci Flora. Elle a un vélo. Donne le vélo, Flora. Oh non. Oh, elle l'a soigné. Mais il est mort quand même. Ah putain, Bob, non. Oh là là, terrible décision, quoi. Perds pas espoir. Dis-toi que Bob va se réincarner en un bon Pokémon. Ouais, ouais, peut-être qu'il y aura une réincarnation de Bob McGowan. Ok, c'est parti. Attention, parce qu'il nous reste... on n'est pas à la ville encore. Petit camion. Allez, allez, on a le pouvoir de l'amitié qui est encore en vie. Qui est encore présent. Non, il est en vie, il a ressuscité. Non, ça marche pas comme ça. Bien essayé, mais ça marche pas comme ça. Allez, c'est parti. Feuilleton, ok. Danger. Mais en même temps, je devrais pouvoir tanker tout ce qu'il a, je suis plus au niveau que lui. La bleue, ça va. Il s'arrête avec une clairvoyance, je sais pas quoi. Très bien. Eh oui.
de type passif. Météor. Putain, tu peux arrêter d'être... On s'en fiche de Météor. Putain, c'est spécial. Ok, Rakaïou, on a piste au point. Il est pas mort. Bob Magone qui était neuf. Bah, c'était un de ses secrets, mais... Tu vois, Mulan. Bah, c'est un peu l'histoire de Mulan, Bob Magone, tu vois. Et comme dans Mulan, elle meurt à la fin. Oh, mais non, mais il y a Bob Magone qui prend des niveaux. Ça n'a aucun sens. Bob Magone. Du coup, il nous reste que 3 Pokémon et on doit affronter Voltaire, là. Genre, tout de suite, en fait. C'est un peu l'enfer, mais d'accord. J'ai deviné ta stratégie, impossible que je perde. Waouh, c'est kinésiste Boris. Ok, Maganon, attention. Il y a danger, mais en même temps, on a Bob Magone. Non, il est mort. Mais non. Débilos, il est mort. Mais c'est bon, on n'a pas besoin. Petit passier. Sarin. Oh, par contre... Ok. Dynamo point. Merci beaucoup. On n'a pas trop utilisé Froid Primus encore. Bob Magone était une femme. C'était, il y avait des secrets. Elle s'appelait en fait Bobette McGowanette. Et oui, les gens qui savaient pas, mais c'était elle depuis le début. Merci beaucoup. Oh, mais un quarter final. En vrai, putain, c'est abusé. Je me suis vraiment fait... J'étais en mode, bah c'est bon, je l'ai pas, je tue avec tout broche, quoi. Bon, c'est pas grave. Lui, c'est un dresseur ou pas? Ouais. Mulan ne meurt pas. Non, mais t'as pas vu la... Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Oula, il fait laguer, Yveltal. Non! Non! Oh! 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 Oh, Yveltal Bansefleur! Ok! Tranquille, calme-toi, mon gars. Ok. Bon, on a vraiment beaucoup d'avance en niveau, mais putain... Corbos sécheresse. Non, mais par contre, faut vraiment s'arrêter, mesdames et messieurs, là. Le soleil vient de se lever pour tout le monde. Le Stanfer. Putain, le Stanfer attend Big Day. C'est bon. On a des niveaux. On est tranquille, on est chill. Faudrait qu'on mette un Pokémon dans l'équipe pour l'entraîner. Alors, attends, on va prendre. C'est quoi ça? Ah, mais attends, mais Lavandia, c'est pas genre une capitale dans cette version? Je crois que c'est un truc de ouf. J'arrive à peine, j'ai cru qu'on allait avoir un mort. Quelqu'un lui dit ou... Ah oui, c'est ça, c'est une ville dans cette version. Bonjour. Oh non, il y a Timmy. Oh non, pas lui. C'est Lavandia. T'as l'air en forme, Timmy. Tu veux aller casser la croûte à la cantine Lavandia? On pourrait aussi aller acheter une bicyclette. Je veux aller voir la reine. Alors, la reine. Ah ouais, non, on fait pas, attends. Ouais, je peux couper, mais c'est nul pour vous. Mais en vrai, je vais couper. Sinon, après, les gens trollent. Timmy! Bon, 2 secondes, hein, je sais que... Je pourrais remettre le son, mais c'est chiant. C'est bon. Non, pas Jack McGoyan. Ouais, faites pas ça, en vrai, c'est nul. Après ses aventures. PS, je suis décalé. Décalé ou décalqué? Merci beaucoup. La Vendée est la ville rêvée pour un cycliste. Voilà, attends, il faut qu'on aille trouver les cycles. C'est là, non? Non, mais c'est immense ici, je me rappelais pas. Attendez. Ouais, c'est une petite capitale et tout. Je rêve d'enseigner des capacités à Keldeo ou Meloetta, d'accord. Là, il y a un truc fermé. C'est quoi, ça? Oh là là, et en plus c'est trop bizarre le déplacement. Les miroirs. Non mais on s'en fout des miroirs de Boris. Mais putain, mais c'est trop bizarre, les trucs sont... Quel enfer. Les... C'est horrible. Non mais nous sommes des pros de la réflexologie. Non mais ça suffit. Mais pourquoi c'est décalé? Oh mon dieu, c'est décalé. J'y arrive pas. Ok, là j'ai trouvé l'arène. Faut que je trouve le Poké Center. Mais... Oh mon dieu, je sais pas pourquoi. Là, c'est décalé. Quel enfer du cul.
Télé Lavandia. Je cherche le centre Pokémon. Mais où est-ce que je suis? T'aimes les Pokémon? Ouais. Tu les aimes vraiment? Ouais. Du fond du cœur? Ouais. La vie à la mort? Ouais. Ouais, un Poké plumé. Ça à quoi? Moi, je kiffe les Pokémon. Merci beaucoup, meuf, d'exister. Mais... ce métronome... non, mais je m'en fous du métronome. En vrai, métronome, c'est fort, en vrai. Je devrais peut-être le prendre. Très, très fort en aventure, métronome. Vas-y, go. Petit métronome. C'est au milieu. Ce musicien super célèbre, c'est moi. D'accord. C'est bien ici, mais c'est grand de... ah, il est là, le Poké Center, ok. Oh non. Fais-moi voir ta main. Ah, oh, qu'est-ce que c'est creepy. What? Mais c'est quoi cette ville de l'enfer, là? Il y a un mec qui arrive et qui me donne une pépite. Après, je me plains pas, mais c'est un peu bizarre, non? Attends, c'est là, je crois. Voilà. Ah, c'est bon. Oui, occupe-toi de mon équipe. Et on va stocker Bob McGowan. Il nous faut un autre Pokémon aussi qu'on peut commencer à level up avec le multi-exp. Ouais. On va déposer Bob McGowan. Bob, on t'enterre, mais sache que tu nous manqueras beaucoup. Bon, déjà 5 morts là, c'est beaucoup quand même. Bon, c'est pas grave, on va reprendre mon Goltron dans l'équipe. Voilà. On va reprendre mon Goltron dans l'équipe. On va recommencer à le laisser s'entraîner un peu tout seul. Et on va regarder si on peut pas acheter des trucs. Et puis après on va aller à la... Préfères-tu avoir un Pokémon avec deux buts calmes ou un légendaire niveau facilité? Bah des buts calmes c'est dur. Piétisol, il me le faut. Oui, Piétisol, ok. Oh là là, trop bien. On a Piétisol pour l'amour et l'amitié, là. On aurait pu avoir chaque... Il y a chaque venin aussi qu'on peut acheter. Mais Piétisol, c'est incroyable. Ok, trop trop bien. Mais en fait, je veux dire... je vais pas vous laisser le faire, en fait. C'est juste que je vais couper le son du jeu à chaque fois, quoi. En fait, je pourrais réactiver le truc, mais ça me j'ai pas j'ai la flemme. Frotte Frimousse. Bon, Piétisol tombe roche. On garde, c'est sûr, c'est trop fort. Et ensuite, il faut... à Pistopoint, c'est bien aussi. Je pense qu'en vrai, Frotte Frimousse, ça fait beaucoup d'utility sur le Pokémon. Vas-y, go. Piétisol, c'est trop bien. Mais merci de donner votre argent, hein. Je veux dire, moi, ça me prend littéralement 3 secondes et vous avez perdu de l'argent. Hein. Merci. Ok, alors la reine, elle est là. Elle est là. Ville bien repensée, un effort trop de... allez, tonton, s'il te plaît, laisse-moi me battre dans cette arène. Allez, sois sympa. Du calme, Timmy. Je reconnais que t'as fait beaucoup de progrès. De là, défier le champion d'une arène, c'est pas un peu prématuré? Pas du tout. Montarcel et moi, on peut battre n'importe qui. Montarcel et moi, c'est beaucoup amélioré. C'est pas là qu'il a le Tarsal de merde, là? Vous pariez que je me suis fait troll par mec blasé et qu'il a une vraie équipe de... Salut Fifi, je suis diplômé et enfin en CDI. GG, il est shiny. Il a 6 Pokémon et il est shiny. Oh sa mère, le troll. T'as pas un objet pouvoir sur Gonfant aussi? On met des picots. Oh! Mais c'est le pire! Normalement, il a un putain de Tarsal niveau 2! Mais je savais qu'il allait me troll! Il passe sa vie à me troll, ce gars! Ok, bon, ça va. Allez, Persian, c'est Osef. On continue à mettre des picots. Oh! Pouvoir copain, courage! Ok. Ok, ok, ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On a Tombroche. Tombroche. Piétisol stabé, t'inquiète. C'est Floette éternel.
C'est Floette éternelle. On le tue avec piste au point. Pouvoir copain, de toute façon c'est ma seule chance. Ok. Pouvoir de l'amitié les mecs. Ok, Tangalis on se casse. Tangalis c'est danger. Allez, on met ta génitrice. Putain, le Floette d'AZ quoi. Il m'a fait flatterie. C'est quoi ça déjà? Ah, ça m'augmente ma... Oh, c'est chiant ça un peu, non? Ça va, il a plus tempête florale pour me toucher. Lol, merci beaucoup. Allez, vas-y, bombe acide. Oh, la vibrif. Oh, il a mis l'hyper potion. Donc ça change rien. Ok, bon, vas-y. Oh putain, le troll du mec quoi. Ta génitrice qui est présent. Hein. Attends, mais pouvoir copain est déjà plus haut niveau que... Mais... Ok, Magmar, qui prend les picots. On fait bombe acide encore. Vous pouvez arrêter d'avoir des attaques puissantes. Bon, par contre, on s'est pas frappé dans la confusion une seule fois, ça c'est stylé. Et la vivgriffe. Et on est encore confus. Et on se frappe dans notre confus. Classique. Mais évidemment qu'il refait rafale feu, ce débilos. Alors, on est plus confus. Ok, Flambusa. Vous pouvez arrêter d'avoir terre finale, s'il vous plaît, sur tous vos Pokémon. Ok. Les mecs. Appelez le maire, s'il vous plaît! Michel, Michel, ils nous font du mal! Bon, écoutez, vous commencez à casser les couilles, là. J'ai déjà perdu un Pokémon. Oh, il a feu d'enfer. Putain, heureusement que j'ai pas mis... Petit passier. Le maire! Oh, le maire fait zéro dégâts. Et il me brûle avec feu d'enfer, donc du coup, je vais lui faire zéro dégâts. Et je peux pas le toucher avec terre finale. Et il est immunisé au type sol. Oh putain de merde. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi ce Pokémon là? Flambusa. Terre finale, feu d'enfer. Tu vas mettre tous tes feux d'enfer. Oh putain. Il a mal. Attends, mais j'ai que des soda cool. Mais c'est... Attends. Non mais il va rater son feu d'enfer. T'inquiète. Est-ce que pouvoir copain tanque le feu d'enfer? Je suis pas sûr qu'il tanque le feu d'enfer. Je dois mettre une potion. Oh là là. Ton rush x4. Oui mais je peux pas switcher en fait. S'il me met deux feux d'enfer de suite, je perds. Mais là, il a plus de feux d'enfer, par contre. Je crois que c'était... Il a plus de feux d'enfer. Ah, c'était son dernier feu d'enfer. Ok, il a plus de feux d'enfer, là. Il en a utilisé 5. Oh, putain, s'ils ont les PP max, je pète un câble. Allez, allez, allez. Pas de PP max. J'ai trop peur qu'il y en ait... Une attaque plante. On va utiliser une potion aussi sur pouvoir copain. J'ai vraiment trop peur qu'il ait un truc genre, je sais pas, lance-soleil. Ça va même pas. Oh, ça fait très mal. Ok, ça fait un coup critique. Ok, okay, allez, tombe roche. Ok, il me flinche. Et c'est bon, il a fait crochet venin. Il m'a empoisonné. On n'a pas raté le tombe roche et Flambusard est mort. Oh putain, ça brise moule. Ah, mais brise moule. Brise-moule ne marche pas avec un climat. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Ah bah putain. T'étais pas supposé être facile, toi, à l'époque? Brise-moule. Mais... Vous êtes débile. Brise-moule, ça marche pas sur la météo. Comment ça, brise-moule, mon Goldron? Mais vous êtes débile. Ça fait 8 ans que je vous enseigne la stratégie et vous arrivez encore à dire des conneries pareilles. What the fuck, les amis, quoi. Respectez-vous, s'il vous plaît.
suis peut-être pas taillé pour ça. Te laisse pas décourager aussi facilement, Timmy. T'as tout le temps devant toi pour devenir un meilleur dresseur. Ouais, cheater aussi avec tes pokés. On rentre à la maison. Oui, tonton, je vais faire des efforts. Ce combat m'a permis de commencer à prendre conscience de beaucoup de choses. Mes limites, celles de mon tarsal. Si tu es d'accord, j'aurais voulu. Oh, Timmy. Qu'est-ce que tu veux, Timmy? 50 nuances de gros dont tout est. Prudence. Merci beaucoup. Merci pour tout votre soutien, les mecs. J'aurais voulu que tu sois mon riz. Mon riz quoi? Mon riz au lait? Je dis n'importe quoi. À la prochaine. Oh, qu'est-ce qu'il voulait dire à votre avis? Mon riz... Mon risotto? Mon riz au lait? Merci encore pour la guide d'Aïe. Merci beaucoup. Je me rappelle de toi. Éclate Rock. Trop bien, merci pour Éclate Rock. Viens nous voir un jour à Vergazon. Ah là 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 là, putain, on s'est fait... C'était un peu le festival de l'enfer, hein. Ton riz en C, ton riz cola. Oui, il avait même pas tarsal, ouais. Mon rideau de douche. Mon rideau de douche. Ah, mon risitas. Mon issou, mon petit issou. Pouvoir copain, ta génitrice. Michel Trou. Pour faire la reine. Attends, il me faut plus de potions. Je sens venir les arnaques, donc on va acheter des potions. Oh, le prix. Ça va, Blasé? Tranquille, le prix des hyper potions, on te dérange ou... Pourquoi on passe de 400... Mais j'ai plus d'argent. Attends, mais je peux vendre. Attends, mais pourquoi elle coûte aussi cher, là, d'un coup, là? On peut vendre des rappels, déjà. Y'a pas des trucs à vendre, genre... La pépite, là. Mais non, mais... Je l'ai perdue, la pépite, elle est là. C'est l'inflation, hein. Putain, la guerre, c'est dur, hein. Ok. C'est la guerre en Ukraine. Terrible. Ah mais du coup ce live sera daté. Ok, allez c'est parti. Bon alors il est type sol pouvoir copain, mais bon on sait que ça n'aura pas vraiment d'influence, mais quand même, dans le doute tu vois. Mon âme électrique va briser tous tes rêves. Moi c'est ma bite qui a brisé ta... Oh non. J'ai encore une carte de tout au mauvais moment. Ok allez, Ludicolo, c'est terrible mais... Lumiqueux. Lumiqueux, Ludicolo. Heureusement qu'il a pistolet à eau et pas jet de vapeur, sinon ça aurait été incroyable. Je pense qu'on aurait passé un très bon moment. Ok, Nidoqueen. Nidoqueen type sol, hein. Vas-y, Michel Trou. On est obligé de ramener le maire, hein. Là je suis désolé mais... Ouais voilà, tunnelier... Allez, shuriken. Tac. Tac. Il y a des zones. Ouais mais on va pas aller les faire maintenant là, on est dans le moment épique là. En vrai il faut pas que je fasse shuriken par défaut, il faut que je fasse buldo, c'est beaucoup plus fort. Bah voilà c'est ça. Je l'aurais tué là avec buldo en vrai. Après, il m'a fait vent glace, donc ça va, mais... Ok. Bon, par contre, ta génitrice, niveau 39, pas encore mort. Ça, c'est assez stylé. T'es trop haut niveau. Alors, t'inquiète pas qu'à mon avis, le boss de l'arène, je vais pas être trop haut niveau. En vrai, les picots, c'est un peu de la merde, hein, en aventure. Parce que ils prennent vraiment pas assez de dégâts. Il faudrait les pièges de roc plutôt. C'est un moment où on apprend les pièges de roc. Mais je pense que je me débarrasserai des picots. Bon allez, Voltaire. Ah ouais, non mais c'est vrai que je suis trop intelligent. Hop. Parfait. Regardez, il me regarde. Cette arène est pleine d'énigmes. Marrant, non? Ah ouais, j'adore les énigmes. Ok, golet. Golet. Pouvoir copain contre golet, on est d'accord. Le piétisol, c'est match-up 100 milliards à zéro. Ah,
Pouvoir copain, par contre, j'étais... Par contre, non, pas jet de sable. Oh là là, jet de sable. Ok, on va voir les dégâts sur Noctalie. Ah. Il y a que des Pokémon qui ont des grosses def là. Oh, 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 le pouvoir de l'amitié. Attends, mais il a combien en attaque? Attends. Il a 114 en attaque, il fait... Il a 230 en attaque. Oh. Vous savez qu'un Pokémon niveau 100, il a genre 300 en attaque, hein. C'est abusé. Ce Pokémon est inarrêtable. What? Je regarderai le niveau de l'arène pour le chat. Ah d'accord, je vais regarder le niveau de l'arène pour le chat. Non mais... Si je fais les mauvaises attaques, ça va être terrible. On va regarder le niveau de l'arène pour le chat. Allez. Parce que le chat, sinon, il passe en mode des 3 ans. Des 3 ans. Des... Combien? Des 3 ans. On va voir. Alors, on revient. Pouvoir copain, il va rouler. Ah ouais, non, mais pouvoir copain, c'est fini. Hein. Voyons voir le niveau de l'arène. Un homme électrisant. Niveau prévu, 33-36. Oh, on est trop au niveau. Ça y est, c'est officiel. Oh là là, Fury Dragon. Coucou Fifou. Tiens, prends mon argent, lol. Merci du fond du cœur. Ok, on est trop au niveau. C'est officiel. Putain, on est trop au niveau. Putain. Zut. Mais on est trop au niveau, pourquoi? Parce que on a des morts aussi. Et c'est vrai qu'ils sont, ils sont bas niveau là. Faut 40. Non mais en vrai, est-ce que c'est pas un peu le kiff aussi d'utiliser? Mais on peut utiliser. Vous voulez qu'on essaye? Vas-y go. Mais ça va très très mal se passer hein. Vas-y go Mongoltron, vas-y. À toi. Ok, il a préparé piqué. Si je reste, on va mourir. Mais j'ai bouclier. J'ai peur pour moi. Ok, on reste calme. On reste calme, on reste frais, s'il vous plaît. Mais pourquoi il est plus rapide que moi? Oh, j'ai coup critique. Pourquoi vous voulez que j'en chie? Pourquoi votre objectif dans la vie, c'est que je galère? Sa mère. C'est bon. Pourquoi j'ai un piaf avec piqué quand j'essaye de sortir un Pokémon bas niveau hein? Tout ça pour ça, quoi. Michel Trou va prendre Racine. Ah non, alors Racine, c'est une très mauvaise idée. Ok, Ratata, qu'on s'en va. Allez, ta génitrice. C'est plus rigolo. Ah bah oui, évidemment. Il m'a fait jackpot, c'est cool, ça. Allez, Bombacide. Bombacide, Vivgriffe. Ah, par contre, Pokémon... Camaraderie, regardez, on est tous potes. Ah non. Merci beaucoup pour cette camaraderie. C'est marrant qu'on ait un des pires Pokémon de l'enfer. Oh, Draco que stabé. Trop bien, en vrai. Bah, c'est pas incroyable, mais en vrai, c'est pas si mal. Vas-y, c'est mieux bouclier. De toute façon, il a un bulk de chips. Le guitariste est mort. Et après, c'est le champion ou pas? Non, mais débilos. Ah, mais je suis con. Ok, c'est Voltaire. Attendez, on va aller soigner et puis on y va. Ok. On va essayer de péter le cul à Voltaire. C'est une très mauvaise idée d'y aller avec tous mes Pokémon, by the way, mais bon. Je veux y croire. Nous avons le pouvoir de l'amitié, nous avons le maire et on a même ta mère. Donc franchement, entre le maire et ta génitrice, il y a beaucoup de mères. Vous savez que les mères, ça me porte bonheur. Donc je vais y croire. Hop.
Hop. Merde. Hop. Voilà. Ok. Ok les mecs, vous êtes prêts? Bon, Voltaire qui rigole. Ok. C'est 36-40 le niveau en fait. Ah! Je me fais troll aussi par les panneaux. Par contre, du coup, il y a un gros décalage mec blasé entre les dresseurs et les boss. T'es qui toi? Comment t'es arrivé jusqu'ici? T'as réussi à traverser mes barrières. Voilà qui était intéressant. J'ai dû abandonner l'idée de moderniser toute la ville avec mes systèmes, alors pour me tenir occupé, je dois me rabattre sur mon arène. Eh, hey, hein? La sobriété énergétique, là. Hein, Voltaire? Pendant que la planète se réchauffe, tu t'amuses avec des arcs électriques, c'est ça? Hein? Eh ben, t'es vraiment un boomer, hein. C'est pour ça que t'as une barbe. Et les générations jeunes, parce que toi, t'es mort dans 5 ans, donc tu t'en fous de dépenser tout. Mais nous, nous les jeunes, là, dans 50 ans, on est vivants. Hein? Connard, va. Ok, pas de chirizou en lead, ça va. C'est chill. À moins que ce soit le fameux pas de chirizou giclé d'eau. Niveau 33, ça va, ça va, ça va, ça va. Il me fait des plaquages. Il va me paralyser. Instant, instant. Mais c'est pas grave, je mets des picots, y a pas de souci. Il a que plaquage pour me tuer. On peut mettre les 3 rangées de picots, ça c'est bien. Voilà, parfait. Ok, parfait. Allez, piétisol. Bon, on a très peu d'options de switch-in, mais on va y arriver. Numéro 1. Merci beaucoup. T'es pas jeune, t'as 35 ans. C'est vrai. Ok, Ampliflore. Arrête de me jouer STPG des rhumatismes, connard. Ok, ta génitrice. C'est, de toute manière, c'est le seul truc que je peux mettre sur un type plante connu. Vous pouvez arrêter d'avoir tous Lumiqueux, s'il vous plaît, merci. Cordialement, Fildrong. Ça va, il a Lumiqueux bout de feu, par contre. Ça fait un peu mal, mais je gère. Aïe, putain! Ok. Trop bien, j'adore laguer derrière. Ok, low class. On a feuille magique. Est-ce qu'on fait feuille magique? Petit passier. Si tu fais apprendre Proéclair à pouvoir copain, tu seras. T'as jamais traité maintenant! Putain, mais force octonienne! Protéin! Mais! Il me reste 2 poké! Putain! Mais non! Mais putain! Le maire! Appelez le maire à la rescousse! Sauvez, sauvez le monde! Monsieur Michel! Monsieur Trou, s'il vous plaît! Oh là là! Mais il a une putain de baie en plus! Mais c'est quoi ce bug en plus? Allez, 5 fois! Yes, tiens, chais! Putain! Mais force octonienne! Mais c'est la taxillette! Vous savez la puissance de force tunnel. Putain, mais avec Protéin en plus, je pouvais peut-être tanker 100. Oh là là. 90 de puissance. Oh là là. Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, le maire est là. Le maire est là. Le maire est là, c'est notre seule chance. Michel Trou, s'il vous plaît. Monsieur le maire. Monsieur le maire, sauvez-nous! Oh putain, ta génitrice, le Pokémon avec frein est mort! Ah ouais. Par contre, alors. Vous avez tué mon garde du corps! Vous avez tué la mère d'une des personnes de ma ville! Il a aboum. C'est fini pour vous! Oh non, mais il a farceur le abo! Non mais t'es. Faut arrêter. Faut vraiment arrêter. Tiens, chais! Petit passier. Il n'est pas responsable de ma mort. Personne ne pouvait prévoir ça. Personne ne pouvait prévoir ça. Éclat glace à l'échelle, ninja. Tiens, dans. Ça. Oh, Michel Trou qui.
qui prend un crit. Like champ. Putain. Le frein est mort. Ça va spammer là. Allez. Ah. Tiens Voltaire, fils de pute, putain. Encore deux morts quoi. Il reste encore une heure de jeu. Oh là là, mais c'est... J'ai perdu. Putain, c'est moi qui ai perdu avec ça. Putain, mais par contre, il est niveau 50, mon Pokémon. Enfin, 44. Ah, putain. C'était intankable, en vrai. Le badge Dynamo, en vrai, c'était... Ah, oh, putain, je trouve que c'était imprévisible. C'est le problème du full random, c'est que tu peux pas savoir. Tu pourrais tout le temps spammer les potions, mais ce serait pas drôle, quoi. Ça te permet de te faire oublier... Te faire oublier de tous les Pokémon. Ah, échange éclair, ça c'est cool par contre. Yes. Ça fait du bien de rencontrer un dresseur aussi prometteur que toi. Les mecs. Je suis désolé, ta génitrice est morte. Merci pour la Geek Day et la box surprise, pas si bonne au final, plus petit que 3. Merci beaucoup. Ah oui, c'était un peu de l'arnaque quand même. Putain, j'ai envie de me casser la bite là. J'ai oublié, on va où? On va au Mont Chimney. Le Mont Chimney par la route 112, c'est pas la porte à côté. Putain. Quel enfer. Mais deux morts en l'espace de 20 minutes quoi. C'est terrible ce jeu. Bon, on a des Pokémon de zone. Oh là là, avale tout. Tu vas nous... Oh non mais attends, par contre... Oh, j'ai plus de morts que de Pokémon dans ma boîte. Oh l'enfer. Oh l'enfer. Ouais, il y a des zones là, il y a plein de zones, il y a plein de zones, il y a plein de zones pour compenser. Heureusement que Michel Trou est dans la place. Hein. Michel Trou, 172 points de vie, 105 en défense, 104 en défense spéciale. Le Pokémon est un tank. Et pouvoir copain, c'est un monstre offensif. On va trouver un Pokémon. On va trouver un Pokémon. Mais attendez, mais on peut mettre un, directement un Pokémon dans l'équipe. On avait plein de Pokémon de type poison qui étaient cool. Vous voulez qu'on fasse évoluer Nidorino? Est-ce que vous voulez que Calvas rejoigne l'équipe? Petit poison sol, ça va faire encore un des faiblesses. C'est pas ouf le poison sol en vrai dans ma team là. Bon, on va voir. Attendez. Avant de choisir, on va d'abord faire les... On va d'abord checker les... Checker les Pokémon de zone, les mecs. Ouais, ouais. Allez, c'est parti. On va checker les zones. Let's go. Zone time. Alors. Où sont les zones, déjà? Ok. Zone numéro 1. Route 118. 218. Ok, là, on va pouvoir pêcher. Ok. C'est parti. Allez les mecs, priez, 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 priez. Allez, il faut que ce soit un bon Pokémon. Oh non, mais c'est un nom nul. Ça c'est un cri nul, pardon. C'est un cri... C'est un cri méga nul. C'est un cri genre... Oh non, c'est Étourvol. Je regrette instantanément ce que j'ai dit. Oh, c'est trop bien, Étourvol. Vite, Rapid Ball. Il me reste une Rapid Ball. Attends, mais il faut que j'aille racheter des balles. Ok, ok, c'est stylé, c'est stylé, c'est stylé. 1, 2, 3, partez. Yes. Oh là là, direct. Non, c'est trop fort. Étouraptor, c'est vraiment très fort. J'ai envie de le mettre direct dans l'équipe, en vrai. Ouais, ouais, c'est Plume dans le cul. On va pas le rappeler Plume dans le cul parce que je trouve que c'est un peu vulgaire, Plume dans le cul. Donc on va l'appeler Plume dans Plume dans le Plume dans le cum. Quel enfer sur terre. Pourquoi j'ai fait ça? Je regrette instantanément. Il a corps gel. Il a la roche royale. Ça, c'est cool. On va la prendre. Plume dans le cum.
Aïe aïe aïe. Je voulais m'excuser envers toute ma... Oh là là, j'ai deux faiblesses, je pense. Bah j'ai pas le choix, hein. Faut bourrer, hein. Ok, il a fait Cotogarde. Je pense qu'on le touchote quand même. Oh, regardez les dégâts malgré le Cotogarde. Il a changé. Je ne changerai jamais. Oh, de tes passiers. Ouais, deux types morts aussi. Là, on partage des faiblesses, hein, donc c'est un peu chiant. Enfin, on partage la faiblesse plante. Là, c'est des dresseurs, on est d'accord. Hein. J'aurais peut-être les garder, en vrai. Je vais peut-être garder ces dresseurs. Ouais, je vais pas affronter le troisième. Attends, mais... on est d'accord qu'en 6G, les Aroma Lady, tu peux les affronter à l'infini, non? Il y avait pas une mécanique comme ça? Ou c'est tendu? Ok, vite, 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 vite. Hop là, il n'y a qu'un seul Michel Trou, sache-le. Oh. On va que si ça fait pas peur, c'est des dégâts fixes. Ok. Allez, on esquive la... Merci aéromathérapeute Oli. Non, c'est les éleveurs. Ah, merde. Ok, bon, ça va alors. Encore un... C'est marrant, on a beaucoup plus de feu que de crachin ou de grêle. On a eu zéro tempête de sable aussi. Pouvoir copain, il est niveau 43. Ok, mec. Bah, d'accord, on fait ça, alors. Ok, pitrouille, tombe roche. Hop là. Allez, à demain. Oh, oh, oh. On commence à avoir quelques légendaires, quand même, hein. Oh, oh. Mais on s'en fout. Regigigas en full random, c'est le meilleur Pokémon du jeu, hein, by the way. Ok. Allez, nouvelle zone. Bon, bah, du coup, on a fait tous les dresseurs ici. Allez, zone à gauche. Ça, c'est la route avec la fameuse Celebi dans les fleurs. Alors, attends. On va essayer d'esquiver les dresseurs ici, par contre. Ok, l'éleveuse, on peut l'affronter à volonté. Du coup. Allez, Pokémon de zone. Allez, 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 allez. Oh, c'est c'est une deuxième évolution. C'est genre Gravalanche, Gracaillou. Non, c'est Carapuce. Oh. Ok. Par contre, il faut qu'on le capture dans une mémoire ball. Ah, j'ai plus de rapid ball, c'est vrai. Mais j'ai une mémoire ball. Ça marche pareil. Il faut qu'on aille acheter. Eh, c'est vrai que les cris de la première génération se ressemblent tous, donc c'est un peu dur souvent. Comment on l'appelle? Oh là là, c'est Carapuce. Bon, ok, les mecs, on a récemment là, on a que des noms ultra vulgaires. On a vraiment que des noms ultra vulgaires. Donc il nous faut le mot le plus éduqué qui existe. C'est quoi le mot le plus éduqué qui soit en France? Ok. Anticonstitutionnel. Ça passe ou pas? Mais je suis impossible. Mais à chaque fois que je vois un potentiel, il s'appelle anti-constip. Mais c'est parce que ça me fait rire aussi. Mais parce que j'ai vu anti-consti, j'ai vu que ça allait, j'ai vu le P et je me suis dit ah c'est marrant, ça fait anti-constipé et du coup ça fait anti-constip. Oh non.
Putain. Mais putain, j'aime pas être dans ma tête parfois, j'aimerais bien être une autre personne. Oh là là, c'est terrible en vrai. On garde les dresseurs. Mais non, mais... Vous comprenez pas ce que c'est. Vous pouvez pas comprendre. Vas-y, y a plus des rapid balls là? Ah si, y en a. C'est bien, j'ai refait mes trucs. Pourquoi c'est aussi cher ça, hein? Je voulais m'excuser envers toute ma commune. Mais bon, en même temps... En même temps, à chaque fois j'essaye, mais c'est impossible. Anti-constipe, rejoins la boîte. Par contre, vous pouvez arrêter de nous donner des Pokémon vol, poison ou eau, parce que je sais pas si vous avez remarqué, on a que des Pokémon comme ça. C'est impressionnant. Non mais pareil, il s'appelle Plume dans le cum, quoi. Putain, faut vraiment que je m'arrête. C'est plus possible, ça. C'est plus possible. C'est vraiment plus possible. Je peux pas continuer à faire ça. Au bout d'un moment, il faut se respecter, tu vois. Bon, ok, allez, dernière zone. Ok, là, il y a un dresseur. Ah non, c'est pas un dresseur. Ah non! Oh, la famille stratège. Je suis pas sûr. Ok, attends, là, il y a une zone. On va pêcher pour la zone. Vas-y. Oh, la famille stratège avec deux Pokémon. Je vais me faire péter le cul, on est d'accord? Mais on va quand même le faire parce qu'on est comme ça. Allez, 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 allez. Oh, impossible. C'est lequel, lui? Ah non, mais ça évolue par niveau, c'est impossible ça à mettre dans le... Oh, ça c'est de la merde. Mais lui, on peut le nommer avec un nom vraiment très compliqué. Il y a un nouveau shop. Bah oui, j'ai vu. Okay. Tu peux appeler le suivant la sagesse. Ah, mais c'est un peu chiant la sagesse. Ok, on va l'appeler. Ok, il nous faut un nom trop stylé. C'est Lansargo. Ah, c'est cool, ça. Ok, un nom... Alors, attends. Vous savez quoi? On va chercher sur Google. Prénom distingué. Prénom chic. Family.fr. Bientôt l'arrivée de bébé et vous hésitez entre un prénom classique et ethnique. Mais pourquoi pas un prénom chic? Amaury, Bertie, Aglaé. Ah ouais, non, mais attends, mais... Léopold. Léopold Jean. Non, Léopold. Léopold Éloi. Oh mon dieu, ouais. Léopold Éloi. Oh, ça y est, ça a compensé tous les problèmes. Oh! Léopold Éloi! Léopold Éloi! Oui, oui, mère! Léopold Éloi, s'il vous plaît! Venez ici, Léopold! C'est une fille. Mais, c'est terrible qu'on soit en 2022 et que... Vous pourriez arrêter d'assumer les gens, s'il vous plaît? Bon, vas-y, on va faire la famille des dresseurs durs, là. Moi, j'ai pas peur, moi. Je n'ai peur de rien. J'ai pas peur, mais je vais quand même stocker tous mes Pokémon. Non, non, en vrai, il faut pas stocker les Pokémon. Non, non, il faut jouer pour le beau jeu. Faut jouer pour les levels. Vas-y, go. Qui sera le Pokémon qui va rejoindre dans ma team? En vrai, on va mettre Calvas, je pense. Nidorino, c'est stylé. Ça fait un Pokémon poison. Sinon, Tentacruel, c'est pas mal aussi. Quelle indignité. Non, vas-y. On est sur un jeu Peggy 3. N'avez-vous pas honte? J'ai jamais honte. Le vélo. Ah ouais, le vélo. Ok. On va prendre le vélo. Si je me rappelle où il est, on va prendre le vélo. Le vélo, c'est rigolo. Je sais pas. Ah, il est là.
Coucou, donne-moi un vélo. Rodolphe, la 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 la, je viens de loin, super. Et vu mon teint, je dois faire les choses bien. Mais qui peut me stopper? Renier mon identité, je peux pas essayer. Mais qui peut me stopper? Pardon, excusez-moi. Je suis un enfant des années 2000, hein. Ok, vous êtes prêts? Je vais sauvegarder, même si ça sert absolument à rien de sauvegarder, mais c'est pas grave, on sauvegarde quand même. Et Zébardi, tu m'as tout l'air d'être en voyage. Que dirais-tu d'enchaîner 4 combats à la suite avec les membres de notre famille? Oh là là, ça me semble extrêmement dangereux. Mais ça va. Ouais, ça va. Niveau 27 le premier. Si le premier a 2 Pokémon niveau 27, mais ça va. En vrai, allez, premier combat, je pense qu'on va le faire facile. Ok, facile, facile, on spam piétine seul. Ok. Le premier était simple. Tout le monde va mourir. Non, arrêtez. Car au pire, on a le maire. Monsieur le maire est là. Oh ciel, est-ce que tu es jeune? Mais si tu as battu mon mari, c'est que tu sais t'y prendre. Je peux m'y prendre avec toi aussi, famille stratège électre. Avec ton... Oups. Ok, il a que 2 Pokémon, ça va. Et je le dépasse, le Roukoups. Roukoups. Ça va, on est au niveau. On est beaucoup trop au niveau pour eux. Il y a... Okay. Ok, j'enlève Pico, je me gonflette. Oh putain! Gonflette d'enfant, force pure, shiny! Ok. Ok, fragile lady, mais j'ai pas peur. Je le dépasse, je le one-shot. Arrêtez-la! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Et en plus, mon Goltron est niveau 35, donc il est presque utilisable. Même si le problème, c'est que bah il est pas évolué, parce qu'il évolue très tard. Comme ça, t'es plus fort que maman. Waouh! Moi aussi, je me débrouille et je vais te le prouver. Oh non! Ok, elle a 2 Pokémon. Goopix. Gonflette. Non mais Gonflette, vous imaginez comme c'est puissant ou pas? On dépasse tout. On one-shot tout. Ils ont des Pokémon niveau 27. À moins que le dernier Pokémon soit en mode ultra vénère pomme de terre. Hein? Dans quel monde ils se sont dit qu'ils allaient mettre un Fantominus Plénitude là? Alors, au revoir. Fantominus Plénitude plus... plus... comment ça s'appelle plus Lévitation. Ok. Oh, Mémé arrive. Ok, allez Mémé, let's go. Comment oses-tu faire pleurer mon adorable petite fille? Tu vas me le payer. C'est parti, est-ce que c'est un boss? Mais non, c'est pas un boss. Eh. Eh ben merci pour les travaux, hein. Allez, au revoir. Tu es bienvenu chez nous. Ah bah bien sûr, vas-y, go. Oh là là, Fildrong, tu vas galérer, gnagnagna. Mon petit-fils doit défier le maître de la ligue. Ok. Donne-moi un objet. Donne-moi un objet. Ah ouais, ce bracelet macho. C'est nul! C'est nul! Nul! D'or! Bon, alors, il nous faut un Pokémon avec... En vrai, il nous faut un CS Slave, hein, je pense. Hein. Parce que là, entre Coupe et Éclatroc et tout... J'ai un Pokémon qui peut apprendre Coupe et Éclatroc dans mes boîtes ou pas? Regardez vite fait. Méfie-toi avec pouvoir copain. Pouvoir copain, en fait, il peut absolument rien lui arriver, les mecs, parce que c'est le symbole de l'amour qu'on ressent, vous pour moi et moi pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous m'aimez comme je vous aime, il n'y aura aucun souci. Alors, qui peut apprendre Coupe et Éclatroc? Exagide, il doit pouvoir l'apprendre, non? Instagirls. Vas-y. Je pense qu'il peut apprendre Coupe et Éclatroc. Yes, il peut.
Parfait. Allez, Instagirls. Parfait. Attention au karma. Impossible qu'il y ait des karmas quand c'est le pouvoir de l'amitié. La communauté salée est plus forte que le karma. Enfin, j'espère. Parce qu'il est bientôt 22h30. Mais, j'y crois. Voilà, parfait. Ce sera lui, notre... Instagirl, c'est notre... notre safe slave. C'est officiel. Parce que je pense qu'il apprend force aussi. Donc, au moins pour les attaques comme ça. Allez, c'est Tipar. C'est parti. Tac. Oh! Ouah, putain, heureusement que j'ai pas cassé ce truc parce qu'on aurait pu avoir un Shunity en Pokémon de zone. J'avoue que je l'aurais assez mal vécu. Bon, alors, là va y avoir un combat double. Je le tente avec mon Goltron ou pas? Parce que là, si on y va avec Pouvoir Copain et Michel Trou, on va juste rouler sur le jeu en fait. Oh oui, c'est vrai, c'est la caméra. Les journalistes pâtés de Joe. Ouais, ok. Ils sont morts. Ils sont tellement morts. Allez, du coup, on va tuer là avec... Attends, Piétisol, ça touche tout le monde? Ah ouais, non, je veux pas toucher mon Michel Trou. Et avec la glace ici. Hop là. Tac, t'es mort. Double prio, hein. C'est la télé, la télé. STP fait évoluer Calvas. Ah oui, vous voulez qu'on fasse évoluer Calvas? On peut faire évoluer Calvas. Paf. 2. 3. Allez, 4. Oh là là, mais le maire, monsieur le maire, s'il vous plaît, arrêtez-vous, quoi. Un peu trop de niveau hein, quand même. Il va falloir peut-être que Blasé va devoir remettre les niveaux un peu, enfin va devoir augmenter les niveaux des Pokémon parce que là c'est vraiment trop au niveau. C'est la télé. Ah ouais, vas-y, on va leur donner un peu de temps. Qu'est-ce qui me passe par la tête après un combat? Ouais, ça me semble pas mal ça. Je l'aurais pas mieux dit. Je sens qu'on va faire un carton avec cette émission. J'ai hâte de voir cette émission. Sur ce, à plus. Incroyable. Merci beaucoup pour vos... Non mais t'es obligé de mettre un truc comme ça quand tu te fais interviewer dans le jeu quoi. Hop. Prélèvement du destin. Oh, Escavarène. J'ai 20 niveaux de plus. Je m'entraîne même pas, hein. J'ai juste 20 niveaux de plus, point, quoi. Michel Trou est niveau 47. Il y a un petit souci. Oh, Dracolos, stylé. Ça aurait été stylé s'il avait 20 niveaux de plus. Mais du coup, non. Alors, en fait, le problème, c'est que si je mets... s'il augmente les niveaux des Pokémon, ça va augmenter l'XP. Il faut qu'il gère aussi l'XP, peut-être que donne les Pokémon, je sais pas. C'est un peu compliqué. On va essayer d'entraîner un peu mon Goltron, en vrai, non? Vas-y, go. J'ai la pêche et mon Pokémon a l'entrain aussi. Ah, let's go. Ok. Alors, on a très peu d'armes avec mon Goltron pour l'instant. On a tranchère et c'est tout. Ok. Mais tu as changé fil de ronde, non?
Qu'est-ce que c'était que ça? Pourquoi ce Pokémon avait point glace? Et pourquoi il était plus rapide que moi aussi? Merci beaucoup. Pourquoi? Mais... j'ai pas compris. Enlève le multi-exp. On pourrait enlever le multi-exp, ouais, le temps que ce soit réglé. J'avoue. Mais après, Blazé, il m'a dit de pas enlever le multi-exp parce que c'était... j'allais... le jeu allait devenir très compliqué très vite. Donc, les cailloux qui ramènent la réalité. Un peu, en vrai. Bah, c'est juste qu'il faut toujours faire attention, quoi. Ok, donc là, en gros, là, on peut pas passer ici. Merde, je crois qu'il me disait en mode... ah merde, merde, c'est encore mon Goltron en premier, là. Attends. Le multi-ex nous vole notre travail. Je sais pas si c'est vraiment un problème de multi-ex, c'est surtout un problème de... j'ai deux survivants, donc du coup, je suis obligé de les utiliser tout le temps, tu vois. Il a pris le type acier. Oh, merci. Merci beaucoup. 46! Mais il a pris 20... il a pris quasi 20 niveaux en un live. Oh, Flobio. Au revoir, t'es mort. Tout est prévu. Le créateur de la ROM a dit... tout est prévu. Donc, si le créateur dit tout est prévu... les mecs, ça veut dire que tout est prévu. Ça veut dire que le jeu va augmenter d'un coup, tu vois. Donc, on va voir. Je pense que là, on a eu deux morts aujourd'hui. On finit le live. Oh non. C'est le mont Chimney. Oh putain, dites-moi que c'est pas à cet endroit-là qu'elle m'affronte. Il est presque intimidant. J'aimerais prendre le téléphorique. Ton équipe a une prom... elle me soigne. Oh, elle va m'affronter. Ah non, c'est bon, elle est gentille. Force! Ah, c'est le chat, ça. À chaque fois qu'on a force. Je peux pas l'utiliser hors combat. Quand on se recroise... ah, c'est bon, ok. Elle m'a pas affronté. Ouf. Oh non, Exagite peut pas prendre force. Ah, par contre, force, c'est... type combat, 80 de puissance. Ah ouais, non mais attends, c'est trop fort, force, pour le coup. Enfin, c'est fort, quoi. C'est pas un... c'est pas un... c'est pas problématique, quoi. On peut le mettre. Ok. Pokémon de zone ou pas, là? Oh oui, c'est Pokémon de zone. Let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go! Oh! Oh, mais c'est quoi cette bouse là? Loser! Putain, on va le renommer Loser! On va le renommer Loser. Ça, il s'appelle Loser, donc on peut le renommer Loser. Hein. Pas de soucis. À moins que ce soit un Loser Turbo. Oh, la zone de l'angoisse, quoi. On va l'appeler Loser. Loser. Voilà. Mon méo. D'ailleurs, petit message à tous ceux qui écrivent Loser avec deux O. Ça ne s'écrit pas comme ça. Et énormément de gens font le... font le... font l'erreur. Même beaucoup de journalistes et tout. S'il vous plaît. Ne le faites pas. Oh, il est beau, ce Pokémon. Vous savez quoi, à quoi il me fait penser, Mia Miasme? Il me fait penser à moi. Parce que je suis un déchet. Là, vous devez me consoler, normalement. Vous devez, je sais pas, m'envoyer des cœurs, des trucs, des machins. Les faibles niveaux, c'est pour te faire prendre la confiance. Ouais, mais connaissant Blazé, c'est ça, hein. C'est ça, ouais. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est monter le niveau et baisser l'XP. Je sais pas si c'est faisable. C'est quoi son talent? Ouais. Maintenant tu as un déchet en HD. C'est vrai. C'est quoi son talent du coup? C'est épine de fer. Super, merci. Loser, il ne sera pas dans l'équipe. Hein. Par contre, il a téléporté, ça c'est pas mal.
quand tu pars faire un pique-nique, il faut chanter. Viens chanter avec moi, ok. Aimer, c'est ce qu'il y a plus beau. Aimer, je monte un sillon. Te soulever, comme j'ai soulevé ta mémé. Putain, il avait des super Pokémon lui. Ah ouais, c'est level là. Hein. Allez, au revoir. Syndrome, virgule, tu es beau, virgule, ne laisse pas les gens, virgule, dire que, virgule, tu, virgule, ne l'est pas. Merci beaucoup. Ah mais attends, mais je me rappelais pas que... Attends, mais Dresseur Land là, je me rappelais pas qu'il y avait des dresseurs ici. Oh là là. Et si on m'affrontait, toi et moi. Si on s'affrontait, toi et moi. Ah! Team Metalos. On a juste 20 niveaux de plus, quoi. Le petit passier. Ah, on va demander à, on va demander à, d'augmenter les niveaux pour la semaine prochaine. On va rendre le jeu un peu plus dur. Yama Arashi. C'est le truc qui crie tout le temps, non? Ah oui, on s'en fout, c'est un Staggers. Non, mais toi, t'es un CS Slave. Non. Merci. Est-ce qu'on le dépasse? Non, mais il a tendance, donc il m'a confus. Ah non, il m'a donné puanteur. Mais connard, va! Allez, meurs! Il m'a donné puanteur. 47 pouvoir copain! What the fuck, les amis? Mais attends, mais il est plus haut niveau que le maire ou quoi? Attends, mais si le maire... Attends, il va finir niveau 5 que le maire? Grrr, je me demande où sont passés les autres, ok. Non, mais le maire est niveau 48? C'est le troisième live, j'ai un Pokémon niveau 48, ok. Tout va bien. Allez, petit sol. On piétine fort. Attends les boss qui arrivent pour dire que c'est facile. Ah bah moi je parle pas des boss, je parle des dresseurs. Faut que les combats soient tous compliqués. Pas tous, mais là on a beaucoup trop de niveau d'écart peut-être, tu vois. On en rediscutera après avec le créateur du jeu, vous en faites pas. Par contre, mais du coup ouais, il y avait un euphorie là. Donc du coup par exemple 5000 XP gratuite. Moi je m'entraîne pas hein, mais c'est juste je bats les Pokémon quoi. Donc bon bah forcément. Ah par contre, ce Calvas voulait apprendre Burn Smog. Bon, c'est pas grave. Alors, je me rappelais pas qu'il fallait passer par là. Attendez, Pokémon de zone, d'abord. Tu viens de finir la partie facile du jeu. Ah, ça me plaît. Ok, ok. Eh ben, tu sais quoi, on va l'appeler Easy. Le monsieur. 1, 2, 3... C'est quoi un difficulty spike? En gros, là, on a fini la partie facile et le jeu va devenir dur. Selon le créateur du jeu, qui est dans le chat. On va l'appeler Easy, tout simplement. Easy. Easy. Easy, en mode très facile. Easy. On sait pas ce qu'il a, mais c'est pas grave. Bon, alors, ici, il y a des dresseurs ou pas? Je sais plus ce qu'il y a ici. Venipat, c'est pas un Pokémon de zone. On va sûrement devoir utiliser le repousse pour pas perdre trop de temps. Ah non, mais c'est dans les objets importants, le repousse, je crois. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. Les sprites. Faudra des likes pour les sprites, comme on dit. Ça rime comme ça. Attends, mais je me rappelle pas du tout que c'était comme ça. Ah, mais c'est parce que j'ai tellement joué à Emerald. Mais attends, mais c'est ouf. Je me rappelle même plus comment. Je me rappelle même plus ce qui va se passer, là. Parce que dans Emerald, tu prends l'ascenseur et puis tu vas... T'as les deux teams qui s'affrontent, là. Attends, mais c'est une nouvelle zone, ici. Route 112. Attends, non, c'est pas une nouvelle zone, on est d'accord. J'affronte le gars, mais en attendant, vous me dites. Je crois que c'est pas une nouvelle zone. Y'a aucune nouvelle zone là ou pas?
Donne un chiffre. Pour les sprites 3000 life. C'est exactement comme ça comme dans Emerald. Ah bon? Oh, il va prendre tunnel. Non mais merci. Tunnel ou piétisol? En vrai, comme il est lent, je garderais bien piétisol. Et puis la gonflette et tout. Ouais, tunnel, c'est pas assez puissant, je trouve. C'est pas une zone, c'est une zone. C'est pas une zone, c'est une zone. Super, merci les mecs, hein. Mais ce qui est bien, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que je peux toujours compter sur le... Mais je suis trop au niveau, mais ouais, mais c'est... Je suis trop au niveau. C'est la même que celle du bas, d'accord. Illimitation, non... C'est loser. Ok, Karabaf. C'est pareil, tu vois, enfin, tu vois. Hop là. Il va bientôt y avoir une vieille qui te heal. Bon, c'est dégueulasse ce que tu dis. Attends. C'est une zone ça ou pas? Je comprends plus. Attends. Là. Là on est route 112. Et en bas on était. En bas on était route 112 aussi. Ah oui non, on est encore route 112. Il y a 3000 likes. Mais j'avais dit 3500 je crois. Ah oui c'est ça. Et pareil la route 111 ça se répète. Ok. Ah oui c'est ça. Ok. Mais je crois que j'avais dit 3500 non? Vous voulez pas voir un autre Pokémon que pouvoir copain, genre Michel Trou? Putain, Mongoltron, j'aimerais beaucoup l'utiliser, mais il est trop faible. Faudrait qu'il évolue. Oh, on peut faire évoluer! Ah non, attendez, il faut qu'on fasse. On a une pierre lune ou pas? Ah, mais je l'ai pas acheté encore. Ah zut, j'ai pas acheté la pierre lune. Faudra qu'on l'achète pour la semaine prochaine. Ah, attendez, niveau 32. Ouais, mais c'est pareil, on est niveau 48, donc. Hein? Faut vraiment que je fasse bulldo, faut que j'arrête de faire shuriken. C'est dans le désert la zone, d'accord. Franchement, si on arrive à passer le niveau 50 avant la fin du live, ce serait ouf. Mais je pense qu'on va y arriver, hein. Il reste un niveau à Michel Trou, hein. Bulldo. Ah, il a tanké. C'est dommage, il a fait zone magique. Du coup, il est mort. Allez. Mongoltron est presque bon. Hein. Enfin, il est bon, il serait bon si c'était pas un Pokémon de merde. C'est encore moi pour le sprite D. Ouais, mais je vais les mettre un jour peut-être. Mais non, mais attends, mais je me rappelle pas de ça. Ça sent le coin secret. Oh oui, attends, il va me donner Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un clochard? Les dresseurs, est-ce que je peux t'aider? Tu ne faisais que passer. Mais attends, mais c'est qui ce mec? 1000 Pertuis, 25 ans! Il a 25 ans ce mec! Ça fait 11 ans que je suis parti sur les routes. Il est parti à 14 ans sur les routes. Mais c'est même plus un clochard là! Ta vie doit être tragique sans base secrète. On ira faire une base secrète sur Twitch après, les mecs. Obligé. Force cachée, coin secret. C'est un coin secret. Ouah, trop bien! En fait, je m'en bats les couilles de ta base secrète, Jean-Pierre. L'intérieur peut être très différent selon les coins secrets. Cet endroit ferait... Ok, merci, mec. J'oubliais, tu t'appelles Fifou. Lorsqu'on est heureux, le mieux, c'est de l'exprimer par des mots. Je suis heureux, ça me met de bonne humeur. Qu'est-ce que tu dis, toi, quand tu veux exprimer ton bonheur? Voilà, quand je suis heureux, je dis « je veux mourir ». Yeah, je veux mourir, ça me plaît. Pourquoi je te demande ça? C'est pas évident. Parce que je sens que tu auras des centaines de raisons de dire ça à l'avenir. Tant d'émotions. Ah ouais, si je me mets à tousser juste derrière. Bravo. Cette base est à toi maintenant. Merci beaucoup.
Mais je m'en bats les couilles de ta vie, là. Super, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Qui se rappelle des bases secrètes avec 3 l'euphorie dedans que tu pouvais affronter à l'infini pour faire de l'XP? Eh, mais attends, c'est une meuf qui a des Pokémon de type fée. Bonjour. Toi aussi, tu cherches des Pokémon? Non, je cherche la mort. La fillette de con, tue mes coups. Oh! Ah! Ah! Abusé. Tac. Astuce force. Super, merci Mewtwo pour ce moment. Non mais Insta Girls apprend vent mauvais, mais on s'en fout de ta vie en fait. Je sais pas si tu te rappelles qu'on s'en fout de ta vie. Petit type, les bases secrètes sont des centres Pokémon ambulants. Ouais, bah je sais pas si ça va. Ah oui, c'est vrai, tu peux. Comment tu fais déjà? Tu stockes tes Poké ou je sais pas comment. T'es un vrai dresseur toi. Eh oui! Non mais on mettra les sprites après. Sur Twitch. Vous les aurez pour la semaine prochaine. Là je vais avancer là. J'ai des trucs à faire. Je dois passer niveau 50 avec notre ami là. Ouais, des frambis, merci. Attends, mais on a le vélo là. Oh mais attends, il y a une grand-mère qui nous soigne ici. Grand-mère, je suis fatigué. Ah, merci aussi. Merci beaucoup. Je me sens mieux. Nous pouvons... Comment ça y est? Je voulais un corps que je me repose, mais c'est... Alors, attends, on va mettre le vélo. Le vélo de course. On va l'enregistrer. Et là, on a Y. Non, pas du tout. C'est quoi déjà mon Y? C'est X, quoi. C'est C. C'est Z. C'est Z. Petit passier. C'est trop bien. Salut Fifou, c'est Luffy, je te souhaite un bon livre et tu es le meilleur. Putain, c'est Luffy! Luffy de Naruto, là, avec Vegeta, là. Et leur but, c'est de sauver sa sœur qui s'est transformée en démon. Ouais, bah, je connais, hein. Moi, je suis un grand fan de tout ce qui est comics américains. C'est un peu ma passion dans la vie. Oh, c'est Imposteur Mushan. Oh oh! Attends, parce que là, il a copié mes stats. Mais pas mes... Ouais. Alors, par contre, ouais, on va s'emmerder un peu, non? Super, hein. Merci imposteur. Hein. Pourquoi c'est lui qui gagne tous les speed tiles là hein? Merci beaucoup pour ce moment. Super. Hein. Ah c'était vraiment bien. Hein. Ah, je suis lent du cul par contre. Non mais pas avec la glace des bilos. Des tonnerres qui m'affichent un point de vie, je pense que je m'en mettrai. Parce qu'il est plus rapide que moi à cause de tir de boue. Ça y est, je suis niveau 50, c'est officiel. J'ai 3 badges, je suis niveau 50. Ah! Je me demande si on... Je me demande si on aurait le temps de... Non, on n'aura jamais le temps d'avoir un badge aujourd'hui. Bah non, il est 50 déjà. Tes Pokémon ont fière allure. C'est quoi l'utilité d'être chauve dans la vie? Alors, ça me permet de mettre ma grosse tête chauve dans la... Non mais je dis plus, j'ai changé. Mais sachez que je peux le dire. Si je veux. Oh là là, 5 fois touché. Le garde-voir déprimé. Il est mort. Pouvoir copain niveau 49. Je vais avoir 2 Pokémon niveau 50. Mais PTDR, t'es trop bas level. Alors là, je crois que il n'y a plus trop de débat. Mais pour la semaine prochaine, on va augmenter le niveau. Ne vous inquiétez pas. Je
je vais dire à mec blasé, je vais lui faire hein, mon mec. Tu vas m'augmenter ses niveaux parce que. Là ça va pas passer là. Yama Arashi. Encore. Je vais arrêter d'apprendre Yama Arashi s'il vous plaît, merci. J'ai le pouvoir. On va pouvoir faire les EV en plus. Hein? C'est que c'est loin de tout cet endroit, j'étais épuisé donc j'ai fait une pause. Ah, on me sonne mes Pokémon. Et voilà, le professeur Cosmo est une sommité. Ses travaux sur les météorites l'ont rendu très célèbre. Je comprends pas ce qu'il étudie en détail. Apparemment, il y aurait un truc entre les Pokémon et les météorites. Ok. On est presque à Otekia. Oh les cœurs. Ah, mais oui, on est presque là, effectivement. Pokémon de zone. Oh là là, il a fouille. Quel enfer, Solarog fouille. Alors lui, je vais pas le sortir beaucoup. 1, 2, 3, partez. Ah non, sérieux. Voilà les dégâts. Oh là là, ça y est. Oh là, il a, oh, il a force cosmique. Attends, il est force cosmique, on peut le mettre dans l'équipe, c'est trop fort. Par contre, je savais pas qu'il était dur à capturer. Ok, vas-y. On va faire on va l'affaiblir, on va l'affaiblir. Non, en plus, il s'est boosté. Il a G-Pierre, il a anti-air. Merci beaucoup pour le don. Merci. J'ai un peu peur, voit le miroir, mais bon, c'est bon. GG et bon anniversaire, bien sûr, émoticône. C'est pas mon anniversaire, mais merci beaucoup. Non, mais attends, c'est une blague par contre. Attends, Sombre Ball, ça marche la nuit, non? Yes. Comment on l'appelle? Qu'est-ce qui illumine votre journée? Interdit de répondre ton crâne chauve. On va l'appeler. Ma commu, mon soleil. Oh ouais. Oh là là, c'est trop mignon. Parce que moi, je suis vraiment un mec mignon, tu vois. Ma commu. Ma commu égale soleil. Égale soleil. Soleil. Ma commu. Vous êtes une sole. Voilà ce que vous m'inspirez, les mecs. Vous êtes là, vous êtes présent pour moi, vous êtes une sole, vous êtes ma petite sole. Parfait. Merci beaucoup d'être là pour moi, mes petites soles. Claquer au sol, exactement. La commu solé. Vous êtes la commu solé maintenant, ça y est. En vrai, c'est grave bon. C'est très très bon, les sols. C'est très très bon. Calva, c'est niveau 35. Faudrait qu'on le fasse évoluer. Hein. Il va rejoindre l'équipe. 1, 2. Non mais... On est niveau 51. Mais lol. Et il me donne 9 chances. Ok. On va essayer de skipper des dresseurs. Merde. Oh, il y a une CT en haut là-bas. On va aller prendre ça. Eh oui. Bah oui, non mais regardez, vous voyez que maintenant que j'ai de la HD, on voit que je suis pas dégarni. Hein. La commu au dîner, exactement. Vendetta. Pas mal. Mais le chance, t'as pas assez de niveau.
Je pense que je manque un peu d'XP, ouais. Je manque un peu d'XP avec un Pokémon. Non mais... Oh attends, il a tanké. Il a fait Pico. Attends, you had one job quoi, Lanturne. Et bah job raté. Et hop là. Fidrong et Ballon d'Or. C'est vrai? C'est vrai? C'est moi le Ballon d'Or? Mais merci beaucoup. Je voulais remercier. Mais on s'en fout de loser. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tu vas prendre Shuriken. Oui, bah je suppose, oui. Oh là là. Merci beaucoup pour ce moment, hein. On apprécie. Hein. Il a quoi comme talent? Écran poudre. Imagine la Coloforce. Oh, ça aurait même pas été fort avec lui, il a zéro attaque. Oh, petit goalkeeper shiny. C'est Messi le Ballon d'Or. Oh là là, bravo Messi, tu le mérites vraiment. On l'esquive. Il a 140 en attaque speed. Et il est très lent aussi. Oh, j'aurais bien aimé avoir ça aussi. J'aurais bien aimé avoir un Nidoking. Écran poule parce que la coke. Allez, loser, ça se drogue, hein. Petit passier. Tu as moins de cheveux, mais plus de barbe et de poils plus bien que nous. Ah, surtout les poils plus bien, hein, si vous saviez. Oh, le gros troll. Destruction, quoi. Vas-y, on va dodge. Yes! Non! Attends, non, mais non, ça c'est la maison du Jean-Pierre là. Les sprites, on est à 3500. J'ai dit que j'allais les mettre! Calmez-vous là! J'irai juste les mettre. Je les mettrai sur Twitch après. Oh, on est arrivé à Otekia. C'est terrible, Fifo, viens vite! Non, qu'est-ce qui s'est passé? Que se passe-t-il? Il est arrivé quelque chose au professeur Cosmo. Il aurait été enlevé par un groupe de gens bizarres, la team quelque chose. Il se fait appeler la team à quoi? D'après ce que j'ai compris, ils en ont après la météorite. Il leur a suffi de dire qu'ils étaient très intéressés par ces travaux pour que le professeur accepte avec joie de les suivre. Aide-moi. Je pars d'avant, retrouvons-nous au site météore. Ok, mais ce sera dans le prochain épisode. Parce que là, nous avons des trucs à faire. Ah non, mais il y a le connasse là qui va me faire chier là. Je suis Megan Fox. Je me sens BLE accent aigu, SSE accent aigu, vaincu et rabaissé. Merci beaucoup. Bon, les mecs, nos Pokémon sont au niveau. On a deux morts. Bob McGowan est mort, mais on a deux Pokémon niveau 50. Mais je pense qu'on va demander à augmenter les niveaux pour la semaine prochaine. Et on va mettre les sprites après sur Twitch. Les modérateurs vont mettre le lien Twitch. Merci à tous d'avoir regardé ce live. Vous êtes tellement nombreux, c'est ouf. La semaine prochaine, on va, je pense, un peu augmenter la difficulté. Parce que là, c'est vrai que Michel Trou, pouvoir copain, sont un peu énervés du cul. Et on va aller mettre les sprites sur Twitch. Je vous fais des tonnes et des tonnes et des tonnes de bisous. Merci du soutien. Merci, c'est ouf. J'espère que ça vous a plu de me voir en HD sur une capacité propre. Enfin, sur un live propre. Et puis on se retrouve tout de suite sur Twitch, on va faire de l'entraînement un peu des Pokémon restants, je pense. On va voir, on va discuter un peu comment on équilibre le jeu. Je vous fais des gros bisous. On a quand même eu deux morts, hein, faut-il le rappeler. Mais voilà, je vous embrasse très fort. À lundi prochain, et je vous embrasse. Et je vous embrasse. Et je vous embrasse. Et je vous embrasse.